Bienvenue sur les capsules d'aide de MetaDJ. Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer ce qui provient du microphone de votre ordinateur. Pour enregistrer votre microphone, appuyez sur la touche Micro située à droite de l'application. Enregistrement de la voix. Celle-ci se met à clignoter. Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement. Un sous-menu apparaît. Vous pouvez réécouter l'extrait sonore que vous venez de jouer, le mettre en boucle, enregistrement de la voix, ou n'en sélectionner qu'une partie. Une fois cela fait, vous pouvez lui donner un nom et valider en appuyant sur la touche « Valider » en haut à droite. Il est à noter que si votre enregistrement ne vous plaît pas, vous pouvez recommencer en quittant la page en cliquant sur la croix en haut à droite. Une fois validé, le son se lie alors sur la platine et il est ajouté à la liste des sons dans le menu en rouge. Vous pouvez enregistrer autant de sons que vous le souhaitez, la limite étant la place disponible sur le disque dur de votre ordinateur. Si des sons ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à aller dans « Vos documents », le nom du projet dans lequel vous êtes, le dossier son, et de supprimer les sons que vous ne souhaitez pas conserver. Vous pouvez aussi utiliser ce qui provient du microphone sans l'enregistrer, en appuyant sur la touche W de votre clavier d'ordinateur ou sur la touche Bouche sur l'application. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment enregistrer tout ce qui est joué dans l'application de la platine au micro, ainsi que les effets. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur le site de la Métalibrairie.